Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco, Imo et Crypto. Aujourd'hui, on va parler des assurances dans la finance décentralisée. Le risque est un élément essentiel de la finance. Il est corrélé avec le rendement. Nous préférons payer une petite somme déterminée pour éviter la possibilité d'une plus grande perte. Les assureurs centralisés, quant à eux, vont dégager un profit en prenant position sur des risques en contrepartie d'un paiement. Ces assureurs centralisés vont investir les primes d'assurance qu'ils reçoivent de leurs clients pour maintenir une réserve de capital qu'ils utiliseront en cas de sinistre pour indemniser leurs assurés. L'industrie de l'assurance présente, elle aussi, de nombreux problèmes, notamment en termes d'efficience, de fraude, d'erreurs humaines et de cyberattaques. La technologie de la blockchain va permettre d'optimiser l'efficacité, la sécurité et la transparence de l'industrie de l'assurance. Les registres distribués permettront de rationaliser le traitement des demandes d'assurance, renforcer les protocoles de cybersécurité et accélérer les délais de paiement. Le contrat d'assurance sera rédigé dans un smart contract dans lequel une personne s'engage à payer une prime d'assurance en échange de la promesse d'une indemnité en cas de sinistre. Le smart contract va évaluer le risque et proposer la meilleure tarification. En cas de sinistre, le smart contract acceptera ou rejettera automatiquement la demande d'indemnisation. Les réclamations fausses ou frauduleuses auront pour conséquence la résiliation immédiate du contrat d'assurance. Cette nouvelle technologie pourra en outre permettre la création de contrats d'assurance d'un nouveau type, adapté à une frange de la population qui est aujourd'hui non assurée.